Bien, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à ces rencontres organisées par la médiathèque du Centre culturel Tchibaou. Ce soir, nous avons grand plaisir à recevoir Françoise Cayrol, qui est docteur en anthropologie, coordinatrice des presses universitaires, ça, c'est une petite parenthèse, et chercheuse à l'Université de la Nouvelle-Calédonie, au CNEP, le Centre des nouvelles études sur le Pacifique. Alors, Françoise est surtout connue pour ses travaux d'anthropologie sociale sur Fidji et le Vanuatu, mais elle s'intéresse aussi aux phénomènes associatifs en Nouvelle-Calédonie, et en particulier ce qui touche à la communauté japonaise. Donc, il sera question ce soir d'histoire, de mémoire, pour des événements qui ont été des événements douloureux, comme vous le savez, puisqu'elle l'expliquera très bien, mais les Japonais présents depuis 1892 ont subi, juste après l'attaque de Pearl Harbor en 1941, des confiscations de leurs biens et une déportation pour les hommes vers l'Australie, ce qui a laissé leur famille dans une situation relativement difficile. Voilà. Je voudrais préciser, on est sur la fin de l'exposition, mais que l'université accueille également une exposition qui provient du Centre culturel Tchibaou, qui s'intitule Dear Tatura Kids, et qui, si j'ai bonne mémoire, prend fin le 23 juillet. Donc vous avez encore le temps, si ça vous intéresse, d'y faire un saut pour y voir les textes et les photos de Mutsumi Tsuda. Voilà. Cette conférence est enregistrée, ainsi que les débats qui vont suivre. Donc je vous demanderai de vous saisir des micros qui seront de part et d'autre de la salle tout à l'heure pendant les débats, pour qu'on puisse entendre votre question, même si votre voix porte, mais qu'elle figure en tout cas cette question sur les enregistrements. Enregistrements qui ensuite seront diffusés sur notre site internet, donc www.adck.nc, catalogue de la médiathèque et publication multimédia, et sur la chaîne NCTV, sur les antennes de NCTV, ainsi que sur leur chaîne YouTube. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Vous avez peut-être vu à l'entrée de la salle SIA quelques échantillons documentaires concernant les Japonais en Nouvelle-Calédonie. Il y a des choses qui sont disponibles à la médiathèque du Centre culturel. Il y en a ailleurs, évidemment, aux archives de Nouvelle-Calédonie. Il en sera question ce soir. Mais n'hésitez pas à venir nous voir du mardi au dimanche. Je le dis toujours, je fais un petit peu de publicité, de 9h à 17h. Voilà, je crois que j'ai tout dit ou presque. Je souhaite bon courage à Françoise, et je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour les débats. Merci. Merci beaucoup, Manuel. Bonjour à tous. Je vous remercie vraiment d'être là ce soir. Nous allons avancer ensemble dans une histoire que vous connaissez pour la plupart, et il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. On connaît au moins deux films qui sont déjà passés sur les antennes, et deux très beaux films. Et c'est une histoire qui commence à être connue, mais beaucoup plus difficilement reconnue. Alors, tout de suite, je voudrais à la fois lever un malentendu, et puis qui pourrait être un malentendu plutôt, et puis essayer de vous expliquer un petit peu comment je mets les choses en place. Je ne suis pas historienne. Je n'ai pas fait de recherche historique sur l'histoire des Japonais en Nouvelle-Calédonie. Et la partie historique s'appuie sur un certain nombre d'historiens qui ont travaillé, effectivement. Il s'agit d'Ismet Kurtovic, de Yann Bensivento et d'autres. Et Mutsumi Tsuda, qui n'est pas historienne, mais qui a vraiment fait des recherches extrêmement importantes et qui joue un rôle clé. Pour moi, l'histoire, comme l'anthropologie, comme d'autres sciences, sont avant tout, en tout cas de sciences humaines, sont avant tout des sciences sociales. Vous savez que dans d'autres domaines, ailleurs, on ne met pas de frontières entre les disciplines autant qu'on les met en France, par exemple. Moi, ma discipline est l'anthropologie. Mais l'anthropologie n'est pas simplement le fait de regarder des structures sociales et quelque chose qui flotte dans l'air. L'anthropologie, on s'intéresse effectivement à l'histoire, dans le sens où, plutôt au travail sur la mémoire et à la reconstitution du passé.
J'ai moi-même découvert, en étant extrêmement touchée, cette histoire des Japonais. Je vous en reparlerai, je vous donnerai un peu le contexte de cette découverte. Et il s'agissait à ce moment-là de l'année 2012. Ensuite, je n'ai eu de cesse, d'une certaine manière, de réfléchir et d'essayer de comprendre à la fois le contexte, de, non pas de cette histoire, mais de ce que l'on en fait aujourd'hui, de ce qu'il est possible d'en faire aujourd'hui. Et si elle m'intéresse, et elle m'intéresse toujours aujourd'hui de cette manière-là, c'est moins pour faire des recherches historiques, d'autant plus que nous en reparlerons, mais il y a effectivement des chercheurs qui commencent à travailler sur ces thèmes, malheureusement à l'extérieur, je reviendrai dessus. Mais surtout, c'est un magnifique exemple de quelle histoire pour quel pays. Et c'est vers là que je vais essayer de vous proposer de me suivre aujourd'hui. Donc, pour tous ceux qui connaissent déjà cette histoire, je vais vous présenter mes excuses parce que je vais être obligée d'en reparler et donc de redonner des étapes. Et puis, pour certains, vous connaissez ces étapes mieux que moi. On en avait déjà parlé à l'université. Mais, en tout cas, ce qui m'intéresse là particulièrement, c'est, outre donc, la présence japonaise en Nouvelle-Calédonie, ça va être vraiment le début, il faut avoir des données historiques, bien évidemment. Ce qu'il y a dans un deuxième point, ce que j'évoquerai, c'est que l'histoire, ce n'est pas quelque chose de froid, et que toute l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, c'est pour ça que la présence, en fait, des Japonais en Nouvelle-Calédonie, et ce travail de mémoire m'intéresse particulièrement, c'est que l'histoire, elle est faite d'émotions, elle est faite d'affectifs, ce n'est pas une histoire froide, et c'est en cela, je reviendrai dessus, que l'histoire des Japonais est particulièrement, enfin des descendants des Japonais, pardon, est particulièrement intéressante. Donc ça sera le point 2. Ensuite, il y a un contexte très particulier aujourd'hui dans lequel cette histoire à la fois s'inscrit, mais dans lequel aussi pourraient s'inscrire d'autres types d'histoires. Et c'est là aussi où c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse particulièrement et qui relève à la fois de l'anthropologie. Je ne suis pas la seule à me poser ces types de questions, mais bien évidemment aussi des disciplines historiques et de manière plus globale de l'ensemble des disciplines des sciences sociales. Et c'est pour ça aussi que le quatrième point que j'aimerais traiter ce soir avec vous, qui est vraiment un questionnement sur que fait-on ici, aujourd'hui, alors que maintenant nous avons la main sur l'histoire que nous pouvons effectivement donner aux enfants, et ce qui veut dire aussi que nous avons la main sur toute la latitude de formation des citoyens de demain, ou en tout cas des enfants et des jeunes qui vont continuer de construire ce pays. Et je pense que nos disciplines ont un rôle à jouer particulièrement important, et c'est là-dessus que je voudrais revenir, parce que je pense très sincèrement qu'il y a des manques. Et nous avons des outils extraordinaires entre les mains, et je pense qu'on pourrait effectivement aller beaucoup plus loin. Donc, je vais commencer par le premier point, qui est la présence japonaise en Nouvelle-Calédonie. Donc, de la présence japonaise en Nouvelle-Calédonie, aux familles laissées pour compte. Je vais vous donner tout d'abord, dans cette histoire, donc, je répète, vous êtes beaucoup à connaître, juste quelques clés et quelques chiffres qui permettent de regarder les choses. En 1938, on a à peu près des familles de Japonais qui sont établies, dont 207 familles sur l'ensemble de l'île. Plusieurs détiennent des compagnies minières. Beaucoup sont mariés avec, chose très caractéristique de l'histoire des Japonais, des femmes qui viennent de toute origine de la Nouvelle-Calédonie. Dans ce monde extrêmement ghettoifié, on pourrait dire,
de la Nouvelle-Calédonie, de cette colonie, les Japonais semblent traverser ces ghettos, dans le sens où on les retrouve partout. Je suis persuadée que le paysage calédonien, avant la Seconde Guerre mondiale, se lit pour beaucoup à travers la présence japonaise. C'est Palombo qui remarque que les Japonais, à cette époque-là, en fait, détiennent le commerce de la pêche. Ils plantent énormément. Ils sont partout. Il suffit d'interroger nos propres parents qui nous disent « Oui, 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 on se souvient, il y avait un tel qui était tailleur, par exemple. Et puis, il y avait la famille un tel. Et puis, il y avait nos amis à l'école, etc., etc. » Et tout d'un coup, il se passe quelque chose où il n'y a plus personne. Et il se passe quelque chose où le paysage, j'en suis persuadée, il faudrait arriver effectivement à ouvrir des études qui permettent de le montrer, où le paysage de la Nouvelle-Calédonie va basculer, va changer. Et cette chose, c'est bien évidemment l'entrée en guerre, le fait que les Japonais sont considérés comme des ennemis, et c'est le lendemain de l'attaque de Pearl Harbor, donc en décembre 1981, quand les Japonais sont arrêtés. Ces Japonais sont arrêtés. Beaucoup sont des citoyens français. Beaucoup aussi repartent avec les quelques familles quand leurs femmes sont japonaises. Certains ont même des enfants qui sont enrôlés dans l'armée et qui vont se battre du côté de la France. Cela n'empêche pas de les arrêter, avec un terme très particulier qui est un terme qui dit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'ils vont être ramassés. Vous connaissez la suite pour la plupart. Ils sont mis au bagne, plutôt au théâtre de Lille, de Lille, on dirait aujourd'hui à Nouville, et puis ils partent sur des bateaux. Ils partent dans plusieurs lieux de détention, en Australie, où vraisemblablement les choses ne se passent pas mal du tout, ils ont à manger, etc., etc. Mais à la fin de la guerre, pour ceux qui reviennent ou qui ont envie de revenir, cela leur est absolument interdit. C'est une caractéristique vraiment très particulière de cette histoire. Ils ne peuvent pas revenir. Et puis, surtout, ils ont laissé, pour beaucoup, des femmes, des enfants qui se retrouvent tout d'un coup seuls et totalement démunis. Les hommes sont partis, les pères sont partis, les femmes, les familles ne savent plus quoi faire. Quand il s'agit de ce que l'on appelle aujourd'hui les Nippo-Kanaks, la plupart du temps les tribus ouvrent leurs bras et puis les enfants et les femmes se refondent dans leur famille. Les familles les accueillent, etc. Des transmissions particulières, il n'y en a pas eu. La plupart des Japonais présents en Nouvelle-Calédonie n'ont pas appris le japonais à leurs enfants. Il y avait vraiment très peu d'objets, et de toute manière, les objets, comme les propriétés, comme les mines, comme tout ce que l'on peut imaginer, comme les magasins, etc., il y a eu des scellés mis sur l'ensemble des objets et des propriétés. Ce qui fait que les femmes qui sont restées seules avec les enfants se sont retrouvées aussi économiquement dans une position terriblement difficile. C'est une histoire particulière qui n'est pas propre à la Nouvelle-Calédonie, mais c'est une histoire qui fait poser des questions sur la manière dont marche la mémoire et sur la manière dont les choses se mettent en place. Pourquoi ces femmes, ensuite, se sont retrouvées dans de telles situations? On a parlé du problème économique, mais ce qui se passe aussi, c'est quelque chose qui ressort lors des interviews et qui est vraiment extrêmement à la fois intéressant et à la fois terrible. Les femmes laissées ont peur. Elles ont honte, elles ont pactisé avec l'ennemi. Elles sont extrêmement en colère contre leur mari qui les ont laissées. Ça, c'est une chose. Mais surtout, elles n'ont aucune envie, vu le contexte, de réapparaître et aucune envie
d'aller se plaindre ou de faire quoi que ce soit. Et la douleur du départ des maris est telle qu'on n'en parle pas et qu'on enfouit tout au fond de soi quelque chose qui est insupportable. Ça, c'est une deuxième partie de l'histoire des Japonais en Nouvelle-Calédonie. Ce qui m'a énormément touchée quand j'ai découvert cette histoire, c'est le fait que l'on m'a dit, pour les descendants, les enfants de ces femmes, on voyait bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, il y avait une souffrance terrible. On n'arrivait pas vraiment à savoir ce qu'il en était. Et puis, de temps en temps, on voyait nos grands-mères pleurer. Et cela, en fait, on ne comprenait pas pourquoi nos grands-mères pleuraient. On ne comprenait pas pourquoi notre mère, notre père ne nous racontaient pas cette histoire. Et il y avait là un peu, je suis désolée de prendre ce mot-là, mais une sorte de cadavre dans le placard. Et il fallait bien arriver à ouvrir le placard et à comprendre ce qui se passait. C'est ainsi qu'a commencé, peu à peu, autre particularité de l'histoire des Japonais en Nouvelle-Calédonie, un travail assez extraordinaire mené par quelques personnes, dont beaucoup sont là dans cette salle, et qui ont peu à peu réouvert le livre de leur histoire. Face à des mères et des grands-mères qui ne voulaient pas parler, et de manière générale, face à la douleur aussi de revivre effectivement des événements qui avaient été vécus et qui étaient tellement forts. Il y a eu, par rapport à cette histoire, des lectures particulières. En particulier, le fait de découvrir qu'après-guerre, certains universitaires s'étaient intéressés à l'histoire des Japonais, mais pas pour la Nouvelle-Calédonie. Ailleurs. Et là, au sein de premiers groupements associatifs et à travers certaines personnes, il a été possible de contacter ces universitaires et puis peu à peu de découvrir les camps australiens, de se rendre compte que certains pères ou que certains grands-pères étaient enterrés dans ces camps australiens, de redécouvrir les tombes et de repartir justement aussi au Japon pour renouer des liens. C'est un travail extrêmement minutieux de retissage, pourrait-on dire, de connexion, on dirait aujourd'hui, de manière à pouvoir, entre la Nouvelle-Calédonie, l'Australie et le Japon, continuer cette histoire et puis surtout pouvoir comprendre et pouvoir retisser les liens. Ça, c'est une chose. Il y a eu aussi, d'une autre manière, quelques hasards qui sont d'autant plus à souligner qu'on est au centre Chibaou. Emmanuel Chibaou, par exemple, part au Japon. Là, on lui propose en fait de découvrir la ville avec une jeune femme qui s'appelle Mutsumitsuda et qui va tout d'un coup, non seulement traduire des choses, mais en même temps lui faire découvrir la ville, mais qui va se rendre compte à travers lui que son intérêt universitaire pour les Japonais et pour l'histoire des Japonais pendant la Deuxième Guerre mondiale pouvait être enrichi par le fait qu'en Nouvelle-Calédonie, il y avait eu une histoire telle que celle-là. Mutsumitsuda est invitée. C'est une artiste, une universitaire. Elle est invitée à venir en Nouvelle-Calédonie et elle fait une première exposition de photos qui va être extrêmement importante. Parallèlement, l'amicale japonaise commémore en fait le 100e anniversaire de la présence des Japonais. Puis les choses sont lancées de cette manière et Mutsumitsuda écrit un livre à travers une fiction. Elle va reconstruire d'une certaine manière la vie d'un couple dont elle a retrouvé non pas les écrits,
mais ce sont des voix un petit peu détournées. Elle a découvert des écrits qui racontaient la vie d'un co-détenu et qui étaient des écrits et des lettres adressées, en fait, à une personne dont vous voyez ici les photographies. Ce livre, édité par Gilbert Bladinière, a été extrêmement important. Il a fallu, bien sûr, que Mutsumitsuda vienne. Il a fallu qu'elle interroge les descendants de cette famille. Et à travers une fiction, s'est reconstituée une fiction qui n'était pas qu'une fiction, qui était vraiment avec à la base des données historiques, mais reconstituée. On a ainsi un petit peu non seulement été beaucoup plus loin dans cette histoire, mais en même temps, peu à peu, les langues ont commencé à se délier. La communauté japonaise, je reviendrai sur ce mot-là, parce qu'on dit facilement ce genre de choses en Nouvelle-Calédonie, mais en fait, il ne s'agit ni d'une communauté, ni japonaise à proprement parler. Mais nous avons, tout le monde le sait, affaire à des personnes qui sont d'une discrétion absolue. Au moment où, après la Seconde Guerre mondiale, cette intégration silencieuse a été absolument nécessaire. Mais même aujourd'hui, dans certaines interviews, on se rend effectivement compte que parler est encore terriblement difficile. À la fois parce que personne n'a envie de se mettre en avant, mais aussi parce que les choses continuent à porter de la douleur et continuent ainsi à poser une émotion particulière sur une histoire qui n'est toujours pas réglée. Quand je vous disais que les Japonais, qui n'avaient qu'une envie, pour beaucoup, c'était revenir en Nouvelle-Calédonie, n'ont pas pu le faire, c'est bien parce que leurs biens avaient été placés sous séquestre, mais d'une certaine manière ainsi, et ainsi, pas que d'une certaine manière, mais placés sous séquestre, puis attribués, vendus aux enchères et les mines, les propriétés, les magasins, etc., sont passés dans d'autres mains. Si vous vous intéressez effectivement à cette donnée, vous pouvez lire la thèse de Palombo, où effectivement vous avez le nom de certaines grandes familles calédoniennes qui ont récupéré à très bas prix l'ensemble, pas l'ensemble, mais une grande partie des biens des Japonais. Donc c'est une thèse publique que vous pouvez aller voir. Cette histoire est donc en elle-même extrêmement touchante. Elle est basée sur une injustice, on dirait aujourd'hui, absolument monumentale. Mais elle se passe dans un pays où, étant de plus en plus connue, je vous le disais, elle n'est pas reconnue. Une de mes interrogations vient du fait que, en 2012, j'ai connu cette histoire en 2012, travaillant au musée, où on avait accueilli une exposition d'un ancien Tatourakis qui venait présenter ses estampes en Nouvelle-Calédonie. On a, à plusieurs, et une partie des personnes sont là, pour certaines personnes de l'équipe du musée, on a trouvé cela tellement intéressant qu'en fait, nous avons commencé à suivre les diverses commémorations qui avaient eu lieu. Les commémorations ont duré non pas toute une année, mais pratiquement toute l'année. Il y a eu discours politique sur discours politique. Une seule fois, mais vraiment une seule fois, un homme politique a prononcé le mot de souffrance une seule fois, même à Tio, alors que nous étions parmi les tombes des Japonais morts à Tio, qui ont vécu comme d'autres, mais en arrivant en Nouvelle-Calédonie dans des conditions telles d'ailleurs que le gouvernement,
que Japonais les a fait a demandé à ce qui a accepté qu'ils repartent. Ils ont vécu dans des conditions mais absolument épouvantables. Et là, même à Tio, la direction du Nickel n'a pas évoqué du tout la réalité de ce qui s'était passé. C'est un petit peu comme si, vous savez, on a la belle formule du pays du non-dit, mais c'est un petit peu comme si, un petit peu partout, on avait des points de blocage que l'on serrait bien, de manière à ne pas aller trop loin ou ne pas ouvrir un ensemble de problématiques. C'est quelque chose d'assez étonnant sur un pays comme celui-ci. En même temps, ça l'est pas, on peut arriver à le comprendre. Mais néanmoins, c'est quelque chose qui est relativement étonnant. Donc ça, pour cette histoire très particulière des Japonais. Pourquoi cette mémoire est intéressante ? Parce que quand on reconstruit quelque chose et quand on fait acte de mémoire, on n'est jamais objectif. On a des limites, on se limite, on met un ensemble de choses en place qui fait, le travail d'historien est un travail extrêmement difficile, mais il y a un ensemble de choses que l'on va reconstruire et qui ne sont pas toujours très, très faciles à analyser. Par exemple, pour la mémoire japonaise et pour ce qui a été fait dans le cadre dans ce cadre-là, il y a des limites qui sont extrêmement claires. Les personnes qui ont travaillé, et aussi bien au sein de l'amicale, et qui continuent d'ailleurs de retravailler dans ce sens-là, ne demandent pas à ce qu'on fasse ce qui arrive ailleurs, c'est-à-dire des demandes de pardon, à aucun moment. Ne soulève pas la question des biens japonais qui pourraient, dans d'autres lieux, dans d'autres temps, être réclamés. Cela n'a pas lieu. Par ailleurs, il y a des sortes de besoins qui passent dans cette histoire-là et que porte le livre de Mutsumi Tsuda, qui est, certains se reconnaîtront, par exemple, les Japonais, quand ils sont arrivés, en fait, étaient très proches des Kanaks. Ils ont été reconnus comme des personnes qui avaient une idéologie, quelque chose qui était proche du monde Kanak. Et d'ailleurs, il y a eu des mariages. Or, Mutsumi Tsuda elle-même cite le cas de cette personne que vous voyez, en disant « c'est la fille d'un grand chef kanak ». Oui, c'est vrai, sauf que c'est la fille d'un grand chef kanak, mais les descendants sont déjà liés à la population européenne. De fil en aiguille, on pourrait, à partir de cette histoire-là aussi, questionner l'ensemble de ces mariages. Le lien direct avec la population kanak ou avec les chefs kanak n'est pas toujours direct. Les filles qui étaient mariées étaient déjà en partie des filles qui étaient métisses. À un moment donné, ou en Nouvelle-Calédonie, je vous rappelle que, je ne vous l'ai pas dit, mais les Japonais sont venus vraiment avec très peu de femmes. Il y a eu très très peu de femmes. Et donc cette mixité a été amené par le fait que les femmes n'étaient pas là. Mais beaucoup le disent en Nouvelle-Calédonie. Il y a toute une époque qui est vraiment très importante en termes de différence dans la colonisation, où les femmes n'étant pas là, les Kanaks disent « on a fait don de vie ». Et on sait à qui on a donné la vie. On sait, tel colon qui était là, tel colon qui était là, tel colon. Cette vie, on l'a donnée et on a les dates. On sait qui sont les gens vers qui, effectivement, des enfants sont allés. C'est un autre point d'histoire qui pourrait être ouvert
et qui pourrait intéresser effectivement et aller beaucoup plus loin dans la Nouvelle-Calédonie et la Nouvelle-Calédonie profonde, d'une certaine manière. Là, il ne s'agit pas simplement de travail d'historien. Il s'agit d'une manière de considérer que la mémoire est malléable, qu'elle se reconstruit et qu'il s'agit avant tout d'une construction sociale. Et bien évidemment, c'est une chose qui est terriblement intéressante aujourd'hui. Par ailleurs, ce qui m'intéresse dans cette histoire des descendants des Japonais, plus que de l'histoire elle-même d'une certaine manière, c'est le contexte très particulier dans lequel elle s'inscrit. Elle n'est pas la seule, et c'est de ça dont je vais essayer de vous parler maintenant. Il existe, en Nouvelle-Calédonie, quelque chose de tout à fait remarquable aujourd'hui. C'est l'importance des lois, l'importance des associations de lois de 1901. Elles sont partout, ces associations. Elles sont dans tous les milieux. Nous avons l'amicale japonaise, les descendants de Vietnamiens, les descendants des Indonésiens. Terme totalement faux, vu que, effectivement, l'Indonésie est un pays, ce terme même est un pays, est un terme récent. Nous avons des associations un petit peu de tous côtés en Nouvelle-Calédonie. Ces associations, on les appelle associations identitaires, associations communautaires. Et beaucoup pensent que c'est lié aux événements des années 80, c'est-à-dire, on parle d'événements, c'est-à-dire de la guerre civile qu'il y a eu dans les années 80. Beaucoup aussi se disent, c'est une manière de poser quelque chose d'un fait, de se rattacher à une histoire. C'est une manière de tendre des racines vers la Nouvelle-Calédonie, que de faire des associations et de se mettre comme ça ensemble à travers une origine commune. En fait, ce qu'il se passe, c'est que ces associations existaient déjà. Pour beaucoup, il s'agissait d'associations fédératives qui permettaient aux uns et aux autres d'aider parfois les plus démunis, de faire un travail administratif, par exemple, pour pouvoir aider les uns et les autres. Mais c'est vrai que l'on voit de manière extrêmement claire à partir du moment où l'accord de Nouméa se met en place, un développement très particulier des associations de loi de 1901. On a beaucoup de commémorations, par exemple. On a des expositions qui se mettent en place. On a des films qui, effectivement, sont réalisés à partir de ces associations. C'est un phénomène particulier à la Nouvelle-Calédonie. Il y a là une multiplication de ces associations qui est vraiment quelque chose qui interroge. Bien évidemment, il ne s'agit pas d'associations communautaires à proprement parler. Le communautaire, ce n'est pas ça. Ces associations, il n'y a pas de code de valeurs particulières importantes qui vont à l'encontre des valeurs générales de la société qui se diffusent, qui se vivent à l'intérieur de ces associations. Il s'agit d'associations où se vivent des appartenances et des appartenances multiples en Nouvelle-Calédonie. Ceci dit, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des groupes sociaux à part entière. De la même manière qu'on va considérer qu'une famille est un groupe social à part entière, ces associations le sont. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elles génèrent des relations sociales. Elles organisent et elles génèrent des relations sociales. Et elles le font de plus en plus, aussi bien en termes local, c'est-à-dire au sein de la Nouvelle-Calédonie, qu'à l'extérieur. C'est ainsi que, par exemple, pour l'amicale japonaise, les liens se tissent avec le Japon. Des voyages sont entrepris, des familles se retrouvent. Mais aussi, il en est de même, par exemple, avec un pays comme l'Indonésie aujourd'hui. Jusqu'à parfois
allait organiser son mariage en Indonésie, ou bien aussi aller chercher femmes en Indonésie, ou rencontrer à travers ces associations des femmes en Indonésie, par exemple. Et donc, là, on ne peut pas avoir plus de relations sociales qui se mettent en place. Alors, il y a une part importante du travail des consulats qui est à regarder effectivement de très près dans cette mise en place. Généralement, on ne les considère pas comme ça. L'accord de Nouméa a ouvert la porte à tout un ensemble de choses qui, à des moments, pour certains travaux universitaires, est parfois extrêmement critiqué. Si l'on prend par exemple les travaux de Stéphanie Graff, elle montre dans ses travaux à quel point le multiculturalisme, entre guillemets, ou bien le travail associatif ou la mise en avant des associations dites identitaires ou dites appartenance ou dites communautaires accompagne l'idéologie du destin commun et montre comment, à travers ça et à travers vraiment la culture, on a un petit peu caché ou mis de côté ce qui était vraiment de l'ordre de la réclamation politique de l'indépendance kanak. Vraiment quelque chose qui a trait vraiment de manière très très forte à l'indépendance kanak. Par contre, pour d'autres personnes, et c'est, je remercie la personne qui m'a dit ça il n'y a pas très longtemps, s'il y a tellement d'associations identitaires, associatives, etc. en Nouvelle-Calédonie, ce serait peut-être parce que certains courants indépendantistes le veulent ainsi pour pouvoir faire éclater quelque chose du fait d'être calédonien. Donc il s'agit de quelque chose qui travaille la société par rapport à ces termes d'association. Ce que l'on voit de manière très claire, c'est qu'elles sont extrêmement courtisées, à la fois par le monde politique, mais aussi par le monde culturel lui-même. Le musée de la Nouvelle-Calédonie, par exemple, a mis en place un programme qui permettait peu à peu de faire en sorte que les associations viennent se présenter par elles-mêmes, et c'est ainsi qu'on a découvert l'histoire particulière des Japonais de la Nouvelle-Calédonie. Mais il y a eu aussi une ouverture faite aux Indonésiens, entre guillemets, ainsi qu'à d'autres communautés, wallisiennes, etc., etc. Ensuite, ce qui était très intéressant aussi au musée de la Nouvelle-Calédonie, c'est que beaucoup d'événements autour du 24 septembre et donc de la fête de la citoyenneté se passaient là. Mais dans la plupart des cas, et c'est ça que je voudrais effectivement souligner ici, qu'est-ce que l'on demande aux associations ? Et comment se montrent-elles ? On demande d'une certaine manière, et je suis désolée peut-être du terme que je vais employer, mais on se demande en se représentant elle-même, de donner une sorte de spectacle d'elle-même ou de spectacle, parfois d'ailleurs, de ce qu'elles ne sont pas. C'est-à-dire, les membres de l'association vont remettre des vêtements ou mettre des vêtements, alors que c'est lié vraiment à l'origine, par exemple, indonésienne ou autre, alors que ce n'était peut-être pas le cas. Et puis, on va leur demander aussi de présenter leur cuisine. C'est quelque chose auquel on tient beaucoup en Nouvelle-Calédonie. Et on dit d'ailleurs que la cuisine, par exemple, de la Nouvelle-Calédonie est une sorte de melting pot de l'ensemble des cuisines de différentes origines, indonésiennes, réunionnaises, etc., etc. Mais c'est généralement ce qui est demandé dans, on va dire, les grands événements qui se mettent en place encore à l'heure actuelle. D'ailleurs, c'est très simple. Pensez, il y a un mois et demi, au congrès de la Nouvelle-Calédonie, où les associations ont été invitées. Et qu'est-ce qu'on a fait ? On a présenté un immense buffet avec différentes cuisines.
Ce qui est plus gênant, c'est que cette manière de fonctionner est rentrée à l'école. Certains proviseurs disent lutter contre la violence. Et pour lutter contre la violence, organisent des journées identitaires. Alors, cela ne se passe pas partout de la manière dont je vais vous parler. Mais en tout cas, de ce que personnellement j'ai vu, on demande aux enfants, selon leurs origines, de présenter des chants, des danses, mais qui ne vont pas être accompagnés en fait par un adulte, qui ne vont pas être un véritable apprentissage. Et parfois, de manière tout à fait caractéristique, on ne reconnaît même pas, les choses sont vite faites, et l'on ne reconnaît même pas les gestes, par exemple, typiques d'une danse wallisienne. Mais on est quand même persuadé que cela va dans le sens du destin commun. Pourquoi le fait ? Qu'est-ce qu'apporte le fait d'un spectacle comme ça, de se donner en spectacle d'une certaine manière comme ça, à ce qui pourrait être, effectivement, le destin commun ? On arrive, en d'autres mots, c'est un mot qui est effectivement assez dur, on arrive à quelque chose qui est de l'ordre du folklore, à une folklorisation, et cette folklorisation, on en arrive même à l'apprendre aux enfants. On en arrive même à leur apprendre à se présenter d'une certaine manière et à penser ainsi se constituer en tant que citoyen de demain. Ce que personnellement j'ai trouvé fabuleux dans l'histoire, en partie reconstruite avec l'amicale japonaise, dans laquelle l'amicale japonaise a énormément œuvré, ce que j'ai retrouvé vraiment de fantastique, c'est que le jour où, au musée, on a demandé aux membres de l'amicale, alors on va ouvrir cette exposition concernant les estampes. Ça se passe un samedi matin parce que ça permet à tout le monde de venir. Et donc, vous allez pouvoir y participer de cette manière-là. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Comment voulez-vous vous habiller ? Qu'est-ce que vous voulez présenter ? Et là, c'était, mais non. Nous, on est calédoniens. Comment peut-on imaginer qu'on va devenir japonais en l'espace de quelques mois, de quelques années. Quand on met 10 ans à apprendre une cérémonie du thé, à faire une cérémonie du thé, comment on peut jouer aux japonais ? Par ailleurs, nous avions organisé une causerie au musée. Et là, à ces mêmes moments, il y a eu deux choses extrêmement particulières qui sont arrivées. Le musée, comme la plupart des institutions de culture en Nouvelle-Calédonie, vous pouvez organiser des expositions. Elles ne vont que très, très rarement faire venir l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. On va très rarement y voir à la fois des Kanaks, à la fois des gens qui viennent de débarquer, à la fois des Calédoniens, entre guillemets, etc. C'est quelque chose d'extrêmement difficile. Là, le soir de la causerie, il y avait, et toute la Nouvelle-Calédonie était représentée, à travers les Nippo-Kanaks, à travers toutes les personnes qui ont été en lien, et en lien de mariage avec les Japonais, on avait l'impression d'avoir une fenêtre ouverte sur la Nouvelle-Calédonie. Et c'est là où on s'est rendu compte à quel point cette histoire touchait tout le monde en Nouvelle-Calédonie. Et puis, il y a eu autre chose. Il y a eu une parole qui a été « Cette association, on l'a montée pour comprendre notre histoire. Mais maintenant que les grands-mères ont parlé, maintenant que l'on sait un petit peu ce qui s'est passé, a-t-on vraiment besoin de continuer ?» Bien sûr que l'association a besoin de continuer. Mais c'était cette question qui était mise en place. Dans le sens où, nous avons fait un travail à l'intérieur, nous avons fait un travail proprement d'histoire, un travail de mémoire.
Et il était extrêmement clair que ce qu'il était dit, c'était ceci. À travers ce travail d'histoire que nous avons fait, nous nous sentons infiniment mieux. C'est-à-dire qu'à travers ce travail fait par les Japonais, les descendants de Japonais, pardon, à travers cette mémoire, il y avait eu un véritable travail de résilience. Et ça, c'était vraiment une des premières fois qu'en Nouvelle-Calédonie, il était possible de toucher. On touchait le doigt, effectivement, on touchait quelque chose d'une résilience à travers un tel travail. Je ne veux pas dire qu'au sein des associations communautaires, identitaires, etc., qui se trouvent en Nouvelle-Calédonie, qui existent, leurs membres ne font que du folklore. Loin de là. La plupart de ces associations génèrent un travail historique. Si ce n'est pas toutes ces associations, en fait, travaillent sur leur histoire. Mais cela est peu connu. Et avec qui travaillent-elles sur cette histoire, dans la plupart du temps ? Avec des gens qui ne viennent pas de Nouvelle-Calédonie. Elles travaillent sur cette histoire avec des chercheurs qui sont avant tout des chercheurs étrangers. Et ça, c'est vraiment profondément à souligner. Pourquoi je souligne ça ? Parce que, loin de la folklorisation, il serait possible de mettre à profit ce qui se passe au sein de ces associations identitaires, etc., pour justement aborder l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Nous avions eu, je pense que c'est l'année dernière, au moment où il y a eu la conférence d'Adrian Munkel sur 17, peu après, il y a eu une conférence ici qui a été particulièrement belle, où, autour des problématiques très particulières, proprement kanak de 17, une histoire a essayé d'être tracée entre les personnes qui étaient du côté de l'armée française et les personnes qui, au contraire, étaient les révoltés à l'époque. Et il avait été souligné l'extrême difficulté de reconstruire quelque chose, l'extrême difficulté de reconstruire une histoire à partir de là. Ce que je vous propose de regarder maintenant, c'est quelle histoire pour quel pays et comment les associations, comment les chercheurs peuvent effectivement mettre tout un ensemble de choses en place pour tout simplement former nos enfants qui mettront en place la Nouvelle-Calédonie de demain. Quand on parle d'histoire et quand on parle d'histoire de la Nouvelle-Calédonie, certains disent il nous faut une histoire unifiée. Mais peut-on vraiment penser une histoire unifiée ? Alors qu'on ne sait toujours pas si l'on fait partie tous de la même société ? Est-ce que nous avons une seule société en Nouvelle-Calédonie ? D'un point de vue institutionnel, oui. Mais d'un point de vue des valeurs, une société, ce sont des valeurs différentes, des pratiques différentes. Nous avons une juxtaposition de sociétés différentes. Comment peut-on unifier quelque chose qui serait un discours historique ? Comment peut-on présenter une histoire de la Nouvelle-Calédonie ? D'ailleurs, cela fait bien longtemps que les théoriciens de l'histoire ou les spécialistes de l'histoire, ailleurs, pose cette impossibilité-là. Ce n'est que dans certains manuels scolaires, que dans les manuels scolaires, parce qu'il faut bien présenter une histoire nationale, que l'histoire est unifiée. Mais il y a différents types d'histoires. On a des outils particuliers pour travailler sur ce genre de choses. En fait, les noms que je vous ai mis là, ce sont des personnes à travers lesquelles se sont posées ce type de questions.
Sans revenir sur Marshall Saline, je voulais vous parler d'Hartog, qui, lui, avait mis en place le concept de régime d'historicité. Toutes les sociétés du monde ne pensent pas l'histoire, le temps, de la même manière. Toutes ne donnent pas la même valeur à l'histoire. Donne-t-on plus de valeur au passé ? Vivons-nous dans le présent, ce qui a l'air de se faire de plus en plus en Occident, une sorte de présent qui s'étale. Accordons-nous aux faits historiques une valeur beaucoup plus grande que le présent ou que le futur, ou qu'au futur. Chaque société a sa manière de penser l'histoire. Et quand on remet en place ou qu'on regarde de manière extrêmement attentive ce qui se passe en Océanie, nous avons aujourd'hui un certain nombre de personnes, comme Chris Ballard par exemple, qui vraiment, non pas militent, mais montrent à quel point, pour les sociétés du Pacifique, pour les sociétés qui ont effectivement été des sociétés colonisées, avec une histoire problématique, une histoire importante. Parce que l'histoire est une histoire d'émotion, parce que l'histoire prend aussi, a beaucoup à voir avec l'affectif, et parce qu'on ne fait pas une histoire nationale en plus d'un siècle, ça prend effectivement extrêmement longtemps, demande à ce qu'on puisse avoir une ouverture sur ce qu'on appelle les multi-histoires. Et que ces multi-histoires-là, elles soient représentées. Ces multi-histoires, on puisse travailler dessus, c'est-à-dire demander, à travers les communautés ou pas, mais quelles sont toutes les histoires de la Nouvelle-Calédonie ? Toutes ces, ce ne sont pas des petites histoires, mais toutes ces manières particulières de regarder les choses différemment, tous les vécus différents de Nouvelle-Calédonie. Et si un jour une histoire arrive, si un jour il est possible de mettre en place quelque chose d'une histoire, elle se fera à travers cette manière d'aborder les multi-histoires. On ne peut pas, effectivement, construire sur l'oubli. On ne peut pas construire sans une reconnaissance de ces multi-histoires en Nouvelle-Calédonie et d'un endroit, d'un lieu ou de plusieurs endroits où cette histoire se ferait, où ces histoires se feraient. À côté du poids de ce travail-là qui est à faire, que pèse des cuisines particulières ? Que pèsent des manières de porter tel ou tel chapeau, de s'habiller comme ceci ou comme cela ? Quel est le vrai côté du destin commun ? Est-il effectivement du côté d'une folklorisation ou est-il du côté de la reconnaissance d'un travail à accomplir par rapport à ce type de choses, par rapport à ces histoires ? Nous avons donc tout un ensemble d'outils sous la main, et en particulier pour les historiens, tout un ensemble d'outils théoriques. Avons-nous d'autres outils ? Nous avons une université dans laquelle ce type d'histoire n'est pas abordé, ou très peu. Mais n'y a-t-il pas à l'université, justement, des gens à former pour demain, et surtout, ces gens-là, chaque étudiant en Nouvelle-Calédonie, chaque personne née sur le territoire, ne représente-t-elle pas une part de ces multi-histoires ? Nous avons une école de formation des maîtres, l'ESPE, en relation effectivement avec des enseignants. Nous avons tous les outils qu'il faut pour effectivement ouvrir vers ce type d'histoire, que l'université théorise ces histoires et pouvoir les adapter aux programmes que nous avons dans les mains. Parce que ces programmes, nous avons dans les mains totalement l'histoire que nous pouvons donner aux étudiants, donner aux enfants de demain qui arrivent à effectivement comprendre quelque chose de la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire comprendre quelque chose de ces histoires qui souvent sont liées à la colonisation. Si, d'une certaine manière, nous avons une idéologie communautaire que l'on met en avant à travers ce qui est de l'ordre de l'habillement, ce qui est de l'ordre de la cuisine, etc., cette idéologie
est une idéologie qui accompagne un multiculturalisme qui ne se vit pas vraiment profondément. Par contre, rentrer dans un processus, faire en sorte que tout le monde partage ses histoires particulières, mais en même temps les écrive, et donner aux différentes communautés et aux associations qui font ce travail-là, leur donner entre les mains la possibilité, les accompagner pour écrire ces histoires, nous permettrait peut-être d'ouvrir les choses, effectivement, et de mettre en place les citoyens de demain. C'est un petit peu ce plaidoyer et un petit peu, effectivement, vers ces propositions-là que, de manière bizarre, ouvre tout l'ensemble de l'histoire de cette mémoire particulière japonaise avec cette résilience particulière et ces souffrances qui sont à dire. Les Japonais, les descendants des Japonais ne sont pas là seuls en Nouvelle-Calédonie. Chaque groupe social particulier, chaque personne d'origine particulière a une histoire, des histoires qu'effectivement, qui sont à travailler, à mettre en avant, à diffuser, à réfléchir pour constituer, revenir sur la Nouvelle-Calédonie et constituer quelque chose, effectivement, d'une histoire calédonienne, passant par la multi-histoire et passant par l'oralité. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Bien, nous voilà au temps des questions-réponses. Vous avez un micro de part et d'autre de la salle qui est à votre disposition. Vos questions sont les bienvenues. Bonsoir. Ce ne sera pas un témoignage. Merci Françoise pour cette présentation. Ma question est relative à ce que tu disais à propos des associations et d'une certaine dérive folklorisante qui peut être redoutée ou qui peut être constatée. Je voulais savoir si c'était une préoccupation et un questionnement de l'anthropologue, ou si c'était vraiment, par exemple, dans les expositions qui se sont tenues au musée de Nouvelle-Calédonie au moment où tu y étais, est-ce que ce sont des débats qui ont eu lieu au sein même des membres de l'amicale, par exemple ? On ne va pas faire ça parce que c'est du folklore, on ne doit pas le faire. On se rappelle que pour Mélanésia 2000, il y avait eu un débat assez vif entre ceux qui prônaient la mise en spectacle de la culture kanak et d'autres qui dénonçaient jusqu'à une prostitution de la culture. Je voulais savoir si dans les amicales, dans les associations de ces communautés que tu évoquais, le même débat est présent et peut avoir ce genre de vivacité entre les membres des amicales. Non, c'est pas tout à fait ça que je voulais dire. Quand le travail qui a été fait au musée et qui était... en fait, un travail qui ouvrait sur le grand musée et une commande qui s'appuyait effectivement sur l'accord de Nouméa et la représentation des différentes communautés. Ce qui était particulièrement... Je pense qu'au contraire, c'était ce qui se passait au musée permettait de comprendre, à contrario, ce qui se passait ailleurs. C'est-à-dire qu'au musée, il y a toujours eu un essai de retour... justement vers l'histoire, et des interviews qui étaient mises en place avec les personnes des associations qui permettaient d'aller beaucoup plus loin. Il n'y a pas eu de folklorisation telle qu'on peut le penser de cette manière-là en ce qui concerne le travail fait à l'intérieur du musée, parce qu'il y avait justement cette part qui était une part qui revenait sur les conditions et qui permettait aussi, et les gens le disaient, et ça permettait vraiment de mettre en place la difficulté de la vie en Nouvelle-Calédonie à certains moments, le racisme effectivement qui avait lieu, etc., etc. C'est moins ça que, à des moments donnés, et ce qui rentre à l'école d'une certaine manière,
et à travers, par exemple, les cérémonies du 24 septembre, où on va voir avant tout les associations vraiment comme à travers un spectacle associatif. C'est plus par rapport à ce type de questionnement-là. Est-ce que j'ai répondu à ta question ? Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les associations ont tout un travail aussi. Quand on regarde de manière très, très fine ce qui se passe, elles ont tout un travail de mise en place de ponts entre les communautés. Mais c'est justement pas ce travail-là, et d'un certain côté aussi, le fait de se réinterroger sur la propre histoire de leurs membres, ouvre vers effectivement ces ponts tendus entre les communautés. Or, de manière publique, entre guillemets, c'est pas ça que l'on met en place. C'est pas ça que l'on met en avant. C'est pas ce spectacle-là que l'on donne. Oui, bonsoir. Laurent Hédot. Je voulais revenir sur ce que tu as dit à propos de la mise en scène, effectivement, des associations pour avoir travaillé avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie quelques années, notamment sur l'organisation des Journées de la Citoyenneté du 24 septembre. C'est effectivement ce que tu dis. J'ai toujours trouvé ça un peu triste, cette façon de folkloriser les associations, quoi. Notre objectif sur la citoyenneté, sur le destin commun, c'était effectivement d'écrire une histoire commune avec des origines plurielles. C'est pas de mettre en scène des gens, avec, comme tu dis, la cuisine, etc. Pour en avoir parlé avec la présidente, effectivement, de l'association des descendants japonais, elle était exactement comme moi, sidérée qu'on demande un petit peu de se remettre là, alors que l'objectif, c'était quand même de travailler sur qu'est-ce que c'est qu'être calédonien avec une origine particulière, quoi. Qu'est-ce que le peuple calédonien pluriculturel pouvait avoir à comme apport dans le panier commun de cette histoire des Japonais ou des Indonésiens, etc. etc. quoi. Donc, malheureusement, la dérive communautariste, elle est déjà là. Ça fait pas mal de temps que je la dénonce et qu'on la dénonce avec pas mal d'intellectuels. Mais il y a des choses intéressantes qui se font, notamment avec la chaîne du Nord. J'ai vu pas mal de reportages qui mettaient justement sur des thématiques comme par exemple la mine de Thiébaye. Donc là, on a Christiane Terrier qui travaille beaucoup avec ça. Merci, Christiane. Donc, les thématiques sur l'histoire commune. Donc, à travers l'histoire du café, à travers l'histoire de la mine, à travers l'histoire de la bonique, etc., on a plus une histoire qui est commune à tous les Calédoniens, quelles que soient leurs origines, mais avec cette pluri-histoire dont tu parles. Voilà. En tous les cas, merci d'avoir insisté sur cette dérive communautariste. À mon avis, ce n'est pas une dérive communautarisme. Il n'y a pas de communauté au sens vraiment britannique du terme en Nouvelle-Calédonie. Ça n'a rien à voir. Ça permet vraiment d'avoir des groupes d'appartenance qui sont extrêmement fluides. Et selon les générations, on n'a pas du tout les mêmes jeux, effectivement. Entre certaines générations et d'autres, les personnes ne sont pas là pour tout à fait les mêmes raisons. Mais ce ne sont pas des communautés en propre, ce sont vraiment des groupes d'appartenance qui permettent d'être calédonien ou ou de se dire kanak ou d'être et que de se penser dans la société calédonienne. Et ça, c'est vrai que l'accord de Nouméa a ouvert ça de manière extrêmement importante. S'il vous plaît, d'abord merci pour cet exposé que j'ai trouvé très recherché, formidable. Alors personnellement, je connais bien Ismet Kurtovitch. Oui, Madame Fouque.
parce que les terminales de Blaise Pascal, je leur ai fait jouer une pièce de théâtre, Le roi se meurt, et il en a un souvenir formidable. Et puis, je voulais surtout évoquer, vous avez mentionné Laura Higa. Je suis actuellement en maison de retraite Azur Santé, et nous avons un monsieur Higa qui a travaillé sur les mines de Thiébaghi à l'extérieur, en montagne, mais qui a des difficultés respiratoires, qui est en chaise roulante, qui a du mal à se mouvoir, mais qui est ravi quand je vais lui serrer la main, lui parler un petit peu, parce que tout le monde le dédaigne. Et j'ai vu aussi le film parlant des Japonais, là, dans le nord des mines et tout ça, et des Japonais avec la guerre qui ont été vraiment spoliés, qui ont souffert énormément. Et dans ce film, on parlait aussi de la famille Higa. Et moi, j'ai un profond respect pour ces gens qui ont vraiment œuvré pour le pays, qui se sont donnés à fond parce qu'ils travaillaient très dur. Et je veux rendre hommage à ces gens-là. Merci beaucoup. Vous évoquez Ismet Kurtovic. Je ne l'ai pas dit, mais c'est vraiment un exemple particulier parce que on a un des rares textes où l'on peut voir à quel point le destin des Japonais était scellé avant-guerre. Et au moment où ça s'est passé, où les biens qu'ils avaient, les propriétés qu'ils avaient, allaient conduire vers ça. Et donc, je parle des chroniques Broussard qu'il a écrites et qui sont pour moi des petites perles qui est une autre manière. Moi, je dirais des pépites. Oui, de mettre en place. De se questionner sur l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Et j'ai beaucoup, beaucoup d'estime pour Ismet. Françoise, bonsoir. Bonsoir, Christiane. Merci donc pour votre intervention, hein, qui était extrêmement riche et donc qui nous a apporté, je pense, beaucoup. Alors, moi, je voudrais revenir sur la fin de votre intervention. Parce que elle m'interpelle, bien sûr. Hein, c'est-à-dire que si on vous écoute, vous nous recommandez une sorte de régime de multi-historicité de la Nouvelle-Calédonie. Mais ne pensez-vous pas, même si vous l'avez un petit peu abordé, mais ne pensez-vous pas quand même que le maintien justement de la multiplicité des histoires, hein, même si on peut le comprendre à cause du déni d'histoire dont ont souffert de nombreuses communautés en Nouvelle-Calédonie, est-ce que vous ne pensez pas donc que ce régime de multi-historicité peut nuire donc à une prise de conscience commune du passé et donc quelque part au destin commun ? Est-ce que le temps nous est quand même compté ? Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Mais je pense qu'on est obligé de passer par là. On ne peut pas mettre artificiellement en place une histoire qui ne prenne pas en compte cela. Or, Christiane, vous savez bien, vous représentez vous aussi d'ailleurs une partie d'une histoire importante et l'ouverture que vous faites historique est vraiment importante, mais c'est justement ça, c'est qu'il devrait y avoir une multiplication, des fenêtres telles que celles que vous ouvrez. Et en fait, elle se passe, il y a des questionnements, mais il y a des questionnements qui ne sont pas pris en compte institutionnellement parlant. C'est vraiment dans ce sens-là aussi. Et après, de toute manière, il suffira de... La Nouvelle-Calédonie, c'est l'ensemble de tout ça. Des choses non seulement se dégagent de cette manière-là, mais comment peut-on arriver à construire un pays si on ne se connaît pas, si on n'a pas partagé nos propres histoires ? Vous avez vu le nom de Benjamin Stora qui revient aujourd'hui même sur le fait qu'en France aujourd'hui, après les attentats terroristes, il y a tellement peu de choses réglées avec
les musulmans en France que du coup on est à des limites de dérive systématique. Alors c'est quelque chose de particulier. Lui dit que la France n'a toujours pas commencé à sortir de son histoire coloniale, hein, parce qu'elle ne l'a pas posée, elle ne l'a pas travaillée, etc., etc. Et ça, on le sait bien, mais en Nouvelle-Calédonie, on a quelque part obligation de faire ça, si on veut aller plus loin. Je peux rajouter quelque chose ? Je partage bien sûr votre point de vue, mais moi, le sentiment que j'ai, enfin, en tout cas, à travers, par exemple, les émissions que je peux faire et les personnes que j'interviewe, je sens quand même, hein, donc, je dirais, la cohabitation en permanence des deux mouvements, c'est-à-dire un besoin terrible, extrêmement fort, hein, de la part des gens de s'exprimer, notamment à travers leur histoire communautaire. Ça, c'est quelque chose de très, très fort. Mais il y a aussi une volonté, souvent un peu désespérée d'ailleurs, mais il y a aussi une volonté de dialogue, hein, qui existe aussi. Hein. Donc, moi, j'y vois quand même de l'espoir, peut-être aussi parce que je sais pas, j'ai une nature optimiste et que je refuse le pessimisme, peut-être pas réaliste d'ailleurs. Mais je trouve que, si vous voulez, dans toutes les démarches qui sont faites, hein, donc les démarches dont vous avez parlé à travers les associations, hein, donc qui ont des relais historiques, je trouve qu'il y a vraiment quand même, si vous voulez, la cohabitation de ces deux aspects-là, hein, c'est-à-dire parler de soi-même, quelque part obtenir une reconnaissance aussi. Hein, il y a un déni de reconnaissance qui est toujours très présent, qui est extrêmement fort. Hein, mais il y a quand même aussi, à travers la reconnaissance, enfin, la volonté d'être reconnu, il y a aussi quand même, me semble-t-il, la plupart du temps, une volonté de dialogue, hein, une volonté d'ouverture, de communication avec l'autre. Oui, vous avez tout à fait raison, mais... Ce que j'essaie de vous dire aussi, de dire aussi, c'est que on est justement très resserré dans le temps. Or, nous avons la main sur nos programmes, c'est-à-dire que nous formons aujourd'hui les citoyens de demain. Ça veut dire ceux qui vont être en paix les uns avec les autres ou ceux qui ne seront pas en paix les uns avec les autres. C'est aussi de ça dont je parle. C'est-à-dire que en reprenant cet exemple-là, qui est un exemple un peu bateau, entre le fait de présenter des danses indonésiennes ou wallisiennes faites par les enfants sans qu'ils aient été encadrés, où ils ont appris des choses très très rapidement, ne vaut-il pas mieux inviter, et je sais que Marie-Jo Michel le fait, inviter des représentants d'associations, qu'ils se posent et qu'ils disent « voilà notre histoire ». À l'école, dans l'école, les faire rentrer dans l'école. Voilà notre histoire. Et ça, c'est des choses qui sont faites à minima. On ne va pas construire un destin commun avec à regarder les vêtements des uns et des autres. Enfin, mon exemple est un peu bateau, mais je ne l'invente pas. Excusez-moi de reprendre à nouveau la parole, parce que je ne voudrais pas que pour l'assistance, ce soit uniquement un dialogue entre toutes les deux. Je veux dire, l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, elle est aussi enseignée dans les manuels. Hein. Mais quand je vous écoute, moi qui ai beaucoup participé d'ailleurs aussi au manuel, je sens peut-être la crise, ou la difficulté quand les différentes populations de la Nouvelle-Calédonie à s'identifier à l'histoire. Qui s'exprime dans ces manuels. Enfin, oui. C'est une réalité. Hein. Donc, tout à fait. Pourtant, je pense pouvoir témoigner que les gens qui ont participé l'ont fait avec le désir, justement, d'un dialogue, d'ouverture. Il y a eu des réécritures de ces manuels fur et à mesure de l'avancée de l'historiographie de la Nouvelle-Calédonie. Ils ne sont pas figés entre ce qu'on a écrit dans les années 60 et ce qu'on a écrit plus récemment. Il y a eu une évolution et une ouverture en général de plus en plus grande aux communautés, aux problématiques aussi à l'échelle du Pacifique. Hein. Mais j'ai le sentiment justement que c'est un outil, donc c'est vrai que ça interpelle, hein, que c'est un outil dans
une partie de la population calédonienne, si ce n'est même la totalité, qu'elle n'arrive pas à s'approprier quelque part. Donc, évidemment, moi, en tant qu'auteur de manuel, utile de vous dire que ça m'interpelle fortement. Hein. Bonsoir. Tout d'abord, merci Françoise. Voilà. Merci beaucoup Françoise pour ta conférence qui était à titre personnel très intéressante dans le sens où, comme vous venez de le dire, c'est vrai qu'elle participe un petit peu à cette construction citoyenne en Nouvelle-Calédonie qui consiste à mon sens à mieux connaître toutes les composantes de la population néo-calédonienne. Donc, en tout cas, merci pour ça, pour nous faire redécouvrir cette histoire méconnue. Des Japonais en Nouvelle-Calédonie, en tout cas. Je voulais revenir sur un terme qui me semble intéressant, mais que tu n'as pas utilisé dans cette conférence. Alors, ce n'est pas une critique, c'est juste une remarque. Alors, ce n'est pas une remarque uniquement sémantique, c'est plutôt par rapport à un concept qui est totalement adapté, à mon sens, pour décrire des groupes comme ça, humains, qui regardent entre l'ici et l'ailleurs. Qui sont présents dans plusieurs endroits dans le monde, le terme de diaspora. Alors, je ne sais pas si la non-utilisation de ce terme est volontaire ou pas de ta part, si ça reflète quelque chose. Pourquoi je dis ça ? Parce que pour avoir étudié la diaspora wallisienne en Nouvelle-Calédonie, c'est vrai qu'on retrouve cette particularité à travers la multiplicité d'associations en 1901. On retrouve cette particularité chez toutes les diasporas, et dans cette volonté de vouloir créer des ponts entre l'ici et l'ailleurs, entre les différentes communautés présentes sur place, et de cristalliser finalement des repères identitaires, sociaux et territoriaux pour pouvoir garder un lien avec la terre d'origine. Alors, pourquoi ne pas utiliser ce terme-là pour la population japonaise ? Voilà. Merci beaucoup. En fait, on ne peut pas parler de diaspora pour la population japonaise, puisqu'il n'y a pas de population japonaise à proprement parler. Il y a des descendants de Japonais. Mais après, tu soulèves une question qui est, à mon avis, extrêmement importante et qui touche particulièrement, justement, ce qu'on appelle la communauté wallisienne. Y a-t-il une communauté wallisienne ? Les gens sont venus à des moments différents, sont intégrés de manière différente, ne mettent pas en place les mêmes valeurs selon si on est des hommes, si on est des femmes, où on habite, à quel moment garde-t-on des liens avec Wallis, etc. Je pense qu'effectivement, le fait de ne pas parler de diaspora en Calédonie interroge. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est vraiment, en fait, c'est quelque chose qui, moi, m'intéresse justement par rapport à ce qu'on appelle la communauté wallisienne. Oui, il y a une diaspora wallisienne. Mais si on emploie le terme de diaspora, on arrive dans le même point en Calédonie. Si on emploie le terme de diaspora, peut-on vraiment parler de société, du destin commun ? Ça donne de la distance, le terme de diaspora, d'une certaine manière. Ça donne suffisamment de distance pour qu'on se retrouve en dehors du cadre, en dehors du cadre de la société multiculturelle de Nouvelle-Calédonie. Et je pense que c'est pas pour rien qu'on ne parle pas de diaspora, effectivement. Alors, je n'ai pas fait exprès de ne pas parler de diaspora, bien sûr. Mais c'est effectivement une réflexion en cours par rapport, justement, à la diaspora wallisienne, de poser, effectivement, les choses comme ça. Et c'est d'autant plus étrange que les diasporas océaniennes, elles sont mais extrêmement étudiées depuis des années et des années dans tous les pays qui nous entourent. Et qu'on a à aller regarder ce qui se fait en recherche ailleurs, hein, par rapport justement à ces diasporas. On ne trouvera jamais ce terme de diaspora en Nouvelle-Calédonie. Peut-être qu'on le trouvera un jour justement apporté par des recherches. Mais pour l'instant, je pense que ça va à l'encontre, hein, effectivement. Quand je dis idéologie, il ne s'agit pas d'une critique, il s'agit d'idéologie dans le sens où idée, hein, mais de cette idéologie du multiculturalisme et du destin commun. Merci. Merci, madame, de votre conférence qui est absolument passionnante. Vous avez parlé à la fin d'une notion, enfin, moi, j'y mets là-dessus, sur la notion que vous avez développée,
je mets là-dessus la notion de roman national. C'est vrai qu'il y a un roman national pour tous les petits Français, et puis aussi tous ceux qui sont dans les colonies françaises ou ex-colonies françaises, avec une histoire de France qu'on a tous appris à l'école, bien évidemment. Et puis, aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il n'y a pas une histoire de chaque pays, il y a une histoire mondiale avec des déclinaisons différentes, un petit peu dans tous les pays. Et c'est finalement ce travail-là qui est un chantier absolument immense, qui est à mettre en place et qui concerne bien entendu la Calédonie tout particulièrement, mais pas seulement la Calédonie. Et quand on pense par exemple aux travaux en effet de Benjamin Stora, et je pense en particulier au livre qu'il a publié il n'y a pas longtemps en discussion avec Alexis Jenny, le romancier qui a écrit « L'art français de la guerre », eh bien, on se rend bien compte que les travaux de personnes comme Gilles Manceron, comme Suzanne Citron, comme... comment s'appelle-t-il ? Enfin bref, il y a d'autres noms qui me reviennent pas. Mais toujours est-il qu'on est effectivement là où l'Américain Benoît Anderson, on se rend bien compte qu'en effet, il y a tout un travail qui est à faire et qui va bien au-delà des frontières de la Calédonie. Alors sinon... Comme la vie m'a fait pendant un certain nombre d'années administrateur de l'éducation nationale, j'ai été à une période de ma vie confronté aux questions des langues. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les recteurs dans les académies, une période où il y a eu des restrictions financières, où les enseignants, bien sûr, voulaient développer les langues vivantes, et comme un certain nombre de langues ne pouvaient pas être enseignées, bien souvent faute d'enseignants, eh bien, il y a eu des cours, dont je ne me souviens plus de l'appellation, mais il y a eu des cours particuliers qui ont été un petit peu chapeautés par les ambassades ou les consulats. Et puis, je ne sais pas où en est cette expérience, je pense qu'elle a été abandonnée à un moment donné parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait notamment des États théocratiques ou même des États limites dictatoriaux qui, en fait, sous prétexte d'enseigner les langues, faisaient plutôt de l'endoctrinement d'une partie des élèves. Et donc, c'est des difficultés qu'on a connues, qui ont existé réellement. Et alors, c'est vrai que quand on voit ici, je pense aux trois principales communautés qui sont venues ici, travailleurs avec des contrats terribles, léonins. Donc, on parle des Javanais, on parle des Vietnamiens, enfin des Tonkinois à l'époque, on parle aussi bien évidemment des Japonais. Eh bien, ces trois pays, depuis 1945, ont eu une histoire tout à fait différente. Et on voit bien que, par exemple, en Calédonie, ce vaste pays qu'est l'Indonésie, je rappelle que l'Indonésie, jusqu'en 1948, c'était une colonie, enfin, pas l'Indonésie, il y avait quelques îles qui étaient occupées par environ 10 000 Néerlandais, point final, et la décolonisation de ce vaste archipel s'est faite finalement en très peu de temps. Les quelques Néerlandais sont rentrés chez eux et le pays est devenu indépendant, il est devenu très vaste. Et puis quand le Portugal a largué les colonies qu'il avait à l'ouest et à l'est, eh bien, l'Indonésie a mis le grappin dessus. Et puis, on sait que si le pays est en train de devenir un pays démocratique, je le pense, depuis quelques années, il y a une belle évolution, ça n'a quand même pas été le cas pendant longtemps. Alors, moi, je me pose des questions quand je vois des grands bâtiments, très beaux, somptueux, comme le consulat de ce pays ici. Et je me dis, quel rapport pour un pays qui veut absolument, comment dirais-je, amalgamer l'ensemble de ces communautés et l'ensemble de ces citoyens pour faire un pays nouveau, eh bien, comment les choses peuvent se jouer avec, je dirais, ces anciens pays? Voilà, c'est une question que je me pose et que je vous pose. Maintenant, je voulais dire quand même tout à l'heure, je pense que des bonnes personnes comme vous-même ou comme Christiane Terrier, ben, vous travaillez à cette évolution de l'histoire et c'est formidable et je vous en remercie. Je vous remercie, c'est gentil comme tout. L'histoire de la
communauté entre guillemets indonésienne, et là je parle sous le contrôle de Marcel Magui, et de ce point de vue-là passionnante, parce que on voit vraiment que pendant des années et des années, on a effectivement l'arrivée de quelques personnes de Sumatra et l'arrivée de personnes de Java qui, à un moment donné, parce que le consulat se met en place, en fait, deviennent indonésiennes, au point où l'on dit maintenant les Indonésiens de Nouvelle-Calédonie. Mais les Indonésiens de Nouvelle-Calédonie, quand les gens sont arrivés, ils n'étaient pas Indonésiens, ils ne parlaient pas le Bahasa. N'est-ce pas, Marcel ? C'est quelque chose qui, me semble, est arrivé après. Et là, il y a vraiment eu un travail, en fait, d'une identité particulière, nouvelle, qui a été extraordinaire et qui a été fondamentale et orchestrée aussi par le consulat. Et c'est pour ça que l'histoire des associations communautaires, je reprends les mêmes mots, elle ne peut pas se faire sans l'histoire consulaire avec la Nouvelle-Calédonie. C'est vraiment une histoire de mobilité, une histoire d'interconnexion qui fait en sorte que la Nouvelle-Calédonie tisse des liens à l'extérieur et des liens extrêmement importants avec des réunions de diaspora qui peuvent se faire de très très lointaines. C'est pour ça qu'elles sont aussi un sujet d'étude en elles-mêmes et un sujet d'étude extrêmement intéressant. Mais là, on a vraiment avec les Indonésiens de Nouvelle-Calédonie, on a vraiment l'exemple même du travail consulaire derrière et de l'importance effectivement de la mise en place des consulats en Nouvelle-Calédonie. Marcel, je ne sais pas si... Merci Françoise, merci pour cette intervention. Alors, je voudrais juste revenir sur le travail que nous avons fait ensemble avec le Musée de Nouvelle-Calédonie. Et pour reprendre un petit peu la genèse de l'histoire des Javanais de Nouvelle-Calédonie, parce que je me sens plutôt Javanais de Nouvelle-Calédonie, mais français avant tout. Au niveau des histoires des associations, il y a eu des associations javanaises dès 1942. Donc, avant même la mise en place d'un consulat indonésien en 1951 ici. Il faut savoir que ce consulat a été mis en place par le ministère du Travail et non pas par le ministère des Affaires étrangères, parce qu'il consistait à faire revenir en Indonésie, parce que l'Indonésie existait depuis 1945, en 1951, à faire revenir les travailleurs sous contrat javanais qui étaient venus en Nouvelle-Calédonie, qui n'ont pas pu rentrer à cause de la guerre et de la guerre d'indépendance en Nouvelle-Calédonie. Et donc, si nous avons travaillé en partenariat avec le musée, c'est avant tout pour faire connaître notre histoire, pour nous l'approprier, parce que bon, j'étais aussi à la tête du centenaire indonésien en Nouvelle-Calédonie. C'était aussi pour nous-mêmes, c'est vrai, comme tu as dit tout à l'heure, c'était nous connaître avant tout. Et en nous connaissant, on a pu faire partager notre histoire à la Nouvelle-Calédonie. Et c'était avant tout un partage que nous voulons faire, et surtout pas une revendication comme la communauté des descendants japonaise. C'était plutôt un partage et faire connaître notre histoire pour nous partager et faire comprendre pourquoi il y a des Javanais ici en Nouvelle-Calédonie depuis cette année 120 ans. Donc c'est vrai qu'on a pris le chemin de la cuisine parce que c'était plus facile, mais c'est en faisant avec le travail des autres associations, des autres communautés qui étaient avec nous au musée, on a partagé des connaissances, par exemple l'utilisation de la feuille du cocotier, comment l'utiliser nous, Javanais de Nouvelle-Calédonie, avec les Kanaks, avec les Wallisiens qui étaient avec nous, avec les Tahitiens, les Vanuatés, la feuille du manioc que certains mangent, que nous mangeons, mais que certaines communautés du Pacifique ne mangent pas, alors qu'on trouve le manioc sur l'ensemble du Pacifique. Comment nous utilisons la patate douce, le coco, le coco râpé, le coco, le lait de coco, etc. Donc c'était vraiment... pour faire un partage et pour nous identifier, nous d'abord, pour nous faire mieux nous connaître et pour vivre ensemble sur ce territoire. Donc c'était vraiment un travail, non pas de revendication, mais c'était surtout peut-être aussi une recherche de reconnaissance par les autres communautés, parce que c'est vrai que lorsqu'on était gamin,
pourquoi est-ce qu'on était traité de sale cacane, etc., etc. Vous connaissez toutes les expressions, je ne vais pas les rappeler. Mais c'était aussi pour montrer, ben voilà, on est là, mais ce n'était pas de notre faute. Mais on est là, donc en vivant ensemble et partageant ce que nous avons pour faire une identité commune. Voilà. Merci. Merci, Marcel. Il n'y a pas de revendication dans le... Dans cette histoire particulière de l'amicale japonaise, il n'y a pas de revendication à part entière. Ce qui est très, très particulier, c'est le fait qu'il y a eu une chape de plomb placée sur l'histoire. Quelque chose de tellement soudain qu'on a vraiment... Une chape de plomb se met en place et que donc il y a un travail pratiquement psychologique, mais qu'il y a un travail pratiquement individuel, familial, etc., qui est mis en place après et qui porte à la résilience. En fait, et ça montre à quel point, comme effectivement tu le disais, de pouvoir savoir qui on est, de se réapproprier les choses, va vers quelque chose d'une résilience et va vers quelque chose extrêmement important pour les gens, tout simplement. Et donc, c'est ce travail-là qu'il est important de faire aussi aujourd'hui. Mais ça veut dire aussi accepter ou... En tout cas, oui, accepter le fait qu'on est toujours, qu'on n'est pas toujours, etc., mais de revenir sur la colonie, le fait colonial et le travailler. Mais vraiment le travailler. Merci, Marcel. Bonsoir. Voilà, moi, je suis un des descendants de Japonais. Je vous remercie pour cette conférence et je regrette que ce soir, il n'y ait pas plus de descendants qui soient venus à cette conférence. Moi, si vous voulez, je m'attendais à autre chose. Franchement, j'attendais à plus de réponses, surtout au niveau des déportations et du vécu de ceux qui sont restés en Calédonie, si vous voulez. Donc voilà, c'est vrai, mon grand-père a fait partie de ceux qui ont été déportés en Australie, a fait partie de ceux qui a demandé à revenir, mais qu'on lui a refusé, et a fait partie de ceux qui ont été oubliés. Donc voilà, si vous voulez, je remercie la personne qui a fait l'exposition au centre Jean-Marie, et dont j'ai été fier de voir cette grande photo de mon grand-père dans cette salle. À partir de là, tout a été mis en place, si vous voulez, grâce à ma femme qui a fait des recherches. Parce que je ne vous cacherai pas que, étant descendant, du côté japonais, mais du côté mélanésien aussi, je ne suis au courant de rien. Moi et ma sœur, nous n'étions au courant de rien. Donc, grâce à ma femme, on a appris un peu plus sur notre histoire. Mais il manque encore des choses à savoir. Et donc, c'est pour ça, quand une délégation japonaise était arrivée sur le territoire suite à une conférence, j'avais posé la question et qui a été répondu à côté, quand mon grand-père est rentré, comment a-t-il été reçu là-bas au Japon? Et j'ai posé la question du côté mélanésien, comment a fait ma mère, mon oncle, ma tante, et ainsi que ma grand-mère pour survivre? J'attends toujours la réponse. Donc j'ai l'impression que c'est quelque chose de tabou, qu'on n'a pas envie d'en parler, qu'on a un peu honte. Et ben voilà, j'aurais pensé à apprendre plus ce soir. Mais bon, votre conférence était quand même bien. Et vous parliez de destin commun. C'est pas évident, je vous cacherai pas, c'est pas évident pour nous les métis. La dernière fois, il y a eu plus de monde, il y avait une conférence sur le métissage. J'ai trouvé qu'on a tourné un peu autour du pot. C'est vrai, les associations identitaires, communautés et compagnie se sont créées, mais on parle de destin commun. Mais déjà, avant de parler de destin commun, faudrait savoir d'où on vient et quelle est notre histoire avant de mettre en place ce genre de truc. Donc voilà, je vous remercie encore. Merci à vous. Oui, Françoise. Voilà. Bonjour, merci pour ta conférence. Merci d'ouvrir des pistes de réflexion sur le sujet. Je voulais juste revenir sur une anecdote que tu as racontée, qui, pour moi, je trouve assez caractéristique aussi. Quand tu demandes à la communauté japonaise, quand on leur demande voilà, est-ce que vous pouvez montrer quelque chose, et qu'ils répondent, qu'est-ce qu'on va montrer? On est calédonien. Alors ça paraît comme une évidence.
Mais finalement, auraient-ils trouvé la recette magique du destin commun ? Pour eux, visiblement, ils savent ce qu'est être calédonien. Donc, voilà, ce qui est posé un peu comme une évidence, finalement, ça interroge beaucoup, parce que qu'est-ce qu'est être calédonien pour la communauté japonaise ? Est-ce que c'est avec des éléments européens ? Est-ce qu'il y a des éléments océaniens ou kanak dans ce fait d'être calédonien ? Voilà, c'est quelque chose qu'il faudra... chaque communauté, je pense, a le sentiment d'être calédonien, et c'est quelque chose qui à étudier, finalement, comment on se perçoit en tant que communauté, finalement, calédonien. Voilà, une petite réflexion. Merci pour la question, mais là, je peux difficilement vous répondre. Peut-être que Marie-Jo Michel peut répondre à cette question. Merci à toi, Françoise, pour cette conférence. Merci à tous les participants et à toutes les questions qui se posent et auxquelles tu peux répondre. Personnellement, et au sein du groupe des descendants de Japonais, nous avons été très, très souvent invités à montrer notre folklore au moment de kermesse. Je veux parler de la folklorisation donc que tu as abordée, mais il faut savoir que la communauté des descendants de Japonais s'est retrouvée en 1940-41 sans héritage culturel. À l'époque, on ne parlait pas de culture, ce n'était pas un concept. Nos grands-parents étaient venus pour des raisons économiques et il fallait retrousser les manches et on partait à la mine le matin à 6 heures et on rentrait le soir à 6 heures. Il n'y avait pas d'héritage linguistique puisque, comme tu l'as si bien souligné, 5575 d'entre eux sont arrivés en Nouvelle-Calédonie sous contrat, du moins pendant la première période migratoire que je situe de 1892 à 1919, et seules 60 femmes de la région d'Okinawa ont été autorisées à venir, mais sont reparties ensuite avec leur époux. Donc c'est ce qui explique ce métissage dans toutes les communautés présentes sur le territoire. Donc pas d'héritage culturel, et pas d'héritage linguistique, puisque les pères eux-mêmes étaient japonais et parlaient le japonais, mais quand ils parlaient à nos parents, ils parlaient en petit nègre, puisque les enfants allaient à l'école de langue française, les mères parlaient la langue véhiculaire de l'époque, c'était le français. Et surtout, pas d'héritage financier, puisque tu as bien évoqué tous les séquestres et donc ces femmes démunies qui ont eu à élever de nombreuses petites bouches. Donc nos pratiques culturelles à nous, eh bien c'était pas de mettre un yukata ou un kimono. Tout ce qui nous est resté, c'était le riz et le soyo. Un peu les claquettes japonaises, il en reste encore quelques traces. Mais voilà, et donc nous avons dû faire avec ça. Et à contrario de Marcel, que je salue ce soir, eh bien Marcel dit, nous, on a voulu se réapproprier. Mais effectivement, les Javanais étaient venus en couple très souvent et ils ont pu conserver et la langue et la culture. Mais ça n'est pas du tout le cas des représentants de la communauté des descendants de Japonais. Voilà, donc on s'est refusé, c'est ce que je disais à Laurent Hédon, hein, qui est intervenu tout à l'heure, on s'est refusé à faire semblant, tout simplement. Et c'est une forme de résilience, comme tu le dis. Pour nous, c'était une thérapie. Voilà. On est là avec tous nos métissages, on vit avec. Et est-ce que être calédonien, c'est coup de chasse, coup de gueule et coup de pêche ? Nous, on aime tout ça, voilà, tout simplement. Merci Marie-Jo. Si je peux me permettre, il y a des choses extrêmement intéressantes qui se passent aussi de votre côté, qui est le fait de nommer maintenant, il y a eu un arrêt de la distribution des noms japonais, et le fait de nommer maintenant, de renommer ou de nommer les enfants avec effectivement
de renouer avec les noms japonais des ancêtres, on va dire. Et là, on est vraiment dans quelque chose, effectivement, d'une récupération, dans le bon sens du terme, ou pas, c'est pas un jugement, mais de l'appartenance et du lien à l'histoire et au passé. Oui, et ben ça, on le retrouve. C'est vrai que quand on a des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, on donne toujours un prénom japonais qui ne vient pas en premier prénom, mais qui vient en deuxième prénom. Il y a aussi le fait que nos petits-enfants vont apprendre le japonais. C'est encore un autre lien. Mais c'est surtout que quand on a affaire à la société de consommation, eh bien, on aime bien acheter tout ce qui est japonais. C'est-à-dire qu'en voiture, on prendra Nissan, Toyota, Mitsubishi, Honda et j'en passe. Et qu'au niveau de la Hi-Fi, on prendra du Sony et autres marques japonaises. Mais voilà ce qui est notre héritage. Mais je crois que l'affre Jojo ce matin a bien dit tout ce qu'il avait ressenti, c'est que tout simplement on demande d'être simplement reconnu. Et puis maintenant, s'il y a des excuses, ben on les appréciera. Mais voilà. Merci Marie-Jo. Merci Françoise pour la qualité de cet exposé et surtout pour la précision historique sur le cas japonais et en particulier pour avoir profité de ce cas pour poser une question d'actualité. Et surtout, ce n'est pas l'histoire des Japonais, si j'ai très bien compris, c'est cette dérive qui consiste à une folklorisation de la société calédonienne au travers d'institutions qui auraient pu aider à mettre en place de nouvelles marches vers le destin commun. Et si j'ai bien compris la dernière partie avec l'inquiétude sur le rôle des institutions, notamment l'université et ses historiens qui ne s'intéressent pas à ces histoires, qui doivent constituer cette histoire, et aussi comment ces communautés sont entrées à l'école. Quand on connaît le rôle de l'école, de l'université dans la formation des citoyens de demain, n'y a-t-il pas lieu de craindre que le destin commun ne puisse pas se construire sur des bases très solides? Ça, c'est à la fois une remarque et une question. Et deuxièmement, en tant qu'universitaire, en tant qu'anthropologue, comment voyez-vous les correctifs qu'on pourrait apporter, puisque c'est des institutions qui, quand même, ont des engagements et des responsabilités à prendre pour la formation des citoyens de demain? Oui, c'est une bonne question, comme on dit. Merci, c'est... Moi, je pense qu'il faut multiplier les recherches à l'université, faire travailler les étudiants sur leur propre histoire et multiplier les recherches dans ce domaine-là. Or, pour l'instant, ça me semble-t-il, en tout cas, ça n'est pas le cas. Ça, d'une part. D'autre part, il faut aussi travailler de manière beaucoup plus accrue à l'université sur les théories de l'histoire. Vraiment œuvrer, réfléchir sur qu'est-ce que c'est que l'histoire, qu'est-ce que c'est que l'histoire en contexte colonial, qu'est-ce que c'est que l'histoire en contexte décolonisé ou pas, mais en tout cas, de travailler sur ces théories. C'est pour ça que j'avais cité effectivement la question des régimes d'historicité ou bien de multi-histoire. Ce sont des historiens qui travaillent là-dessus. Or, l'impression qu'on a, c'est que ces questionnements-là n'arrivent pas en Nouvelle-Calédonie. Ensuite, comme on a tous les outils, c'est que l'université peut d'une part travailler effectivement sur ces questions de recherche et des questions théoriques, mais aussi pouvoir, avec en particulier l'ESPE, la formation des enseignants qui touche directement en fait les enseignants par eux-mêmes, pouvoir donner à manger, d'une certaine manière, donner à manger au manuel scolaire,
En fait, l'université doit avoir un rôle dans la production d'histoire pour les manuels scolaires en Nouvelle-Calédonie par le biais de l'ESPE et dans une sorte de réflexion globale entre universitaires, aussi bien l'université qu'à l'ESPE, mais aussi tous les relais, puisque les relais sont là et que les liens sont là, tous les relais aussi avec les enseignants qui, eux, sont directement sur le terrain, on va dire, et toutes les problématiques didactiques, etc. Cette richesse-là, qui est une richesse absolument énorme, et on s'en rend compte de plus en plus, il y a vraiment des réflexions énormes sur la didactique, sur la manière d'amener les choses, sur la linguistique, etc. Cette richesse-là, on l'a en Nouvelle-Calédonie. Elle est là. On a les outils pour faire justement cette production-là. Ça existe. Après, la question qui se pose, c'est un peu comme la question de la diaspora, et là, je vais aller loin, hein, c'est arrêtons de parler de culture. De la même manière qu'on parle de communauté, de la même manière que, etc., etc., la culture accompagne quelque chose du mauvais côté, d'une certaine manière. Ça ne veut rien dire, la culture. Or, on a des ouvertures où on va parler de cursus par rapport à quelque chose d'une culture. Mais en anthropologie, par exemple, le terme culture, c'est un mot qu'on n'emploie pas parce que c'est tout et n'importe quoi, la culture. Et là, on rejoint quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas mettre en place des choses culturelles. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais ça veut dire que ça ne doit pas. Ce n'est pas une sorte de pot pourri qui ne veut rien dire, qui doit être prédominant. Mais qu'à l'intérieur, il faut être rigoureux et aller voir beaucoup plus précisément et travailler beaucoup plus précisément les termes de recherche, les sujets, etc. Voilà ce que je peux répondre en allant un peu loin par rapport à mon institution. Bonsoir. Pierre Olépa, je suis là. Oui. À côté du monsieur Castejean. Je voulais vous remercier parce que c'est important de reparler, de remettre en perspective le présent colonial, parce que je pense que c'est quand même de ça qu'il s'agit, et que la question coloniale, elle fonctionne actuellement que si on parle de déconstruction. Décolonisation, ça veut dire aussi ce que vous avez indiqué, c'est la question de l'histoire assumée, et pour le moment, je pense qu'on a beaucoup de mal à assumer cette histoire-là. Tout à l'heure, Gérard a parlé de Gilles Manseron. Je pense que c'est quand même intéressant de revoir, de remettre en perspective l'histoire coloniale française. Et de cette résilience, elle peut fonctionner qu'avec avec l'État colonial. Donc elle fonctionne aussi dans notre capacité à dialoguer avec l'État sur ces questions qu'on a en commun, en l'occurrence cette histoire. Première chose. La deuxième chose, c'était... vous parlez beaucoup de l'histoire à l'école, l'histoire en termes de recherche. Je pense que dans ce pays, ce qui manque, c'est des sciences sociales et des sciences humaines qui aident à la gouvernance, pas uniquement dans la science. Si c'est seulement circonscrit au niveau de la science, on écoute les avis d'experts et puis on en fait des beaux rapports qui restent dans des placards. Je pense que ce qui est important, si on est anthropologue, si on est sociologue, géopoliticien, etc., politologue ou historien, c'est notre capacité à aider à ce que la gouvernance change un petit peu les politiques publiques, et notamment dans un pays comme le nôtre, où on a besoin d'un peu plus que des festins communs et autres. Donc, je suis un petit peu... comment dire, c'est la fin de soirée, je suis un peu fatigué, pardon. Je ne mets pas trop de gants. Mais je pense que c'est l'histoire, elle fonctionne que si elle fonctionne avec d'autres sciences sociales, et que ces sciences sociales-là, elles sont des outils d'aide à la décision. Et ça ne peut pas fonctionner si on change juste les programmes. Les programmes, c'est en bas, c'est dans l'opérationnel, c'est dans le service public. Il faut penser en haut, et en haut, c'est le stratégique, c'est les élus. Est-ce que nos élus, ils assument la démarche que les scientifiques font ? Est-ce que les élus assument les démarches des associations quand elles... décide de ne pas aller dans la folklorisation ? Est-ce que les élus arrivent à avoir une visibilité dans l'avenir de ce qui fera société et de ce qui fera culture ? Parce que c'est mon troisième point, contrairement à vous, moi je pense que ce qui nous manque, c'est au-delà de faire société, c'est de faire culture. Oui, merci.
Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire de faire culture, hein, mais bien évidemment, vous avez raison. Hein, mais là, il s'agit d'une petite part. Hein. Là, vous ouvrez le débat à des disciplines qui à la fois ne sont pas les miennes, mais en même temps, ce qui est important, c'est de former aussi des étudiants qui vont pouvoir continuer. La question du est-ce qu'on est dans une colonie ou est-ce qu'on n'est pas dans une colonie, c'est une question extrêmement embêtante et qui ne peut pas se régler comme ça. Ça dépend de l'échelle, ça dépend de où on se place, bien évidemment. Au niveau simplement institutionnel, on est dans une autonomie qui n'est plus la colonie. Ou en tout cas, plus la même qu'avant, maintenant. Est-ce que, en allant discuter avec les gens, en voyant que les hiérarchies coloniales sont toujours là, que les ghettos sont toujours là pour pas mal, en tout cas, pas mal de choses, là, on est encore dans quelque chose de la colonie. On ne peut pas répondre oui et non comme ça. On est vraiment dans des limites d'échelle. Ça dépend de où on regarde, comment. Mais c'est toute la complexité, effectivement, pas simplement du jeu politique. C'est toute la complexité, effectivement, de ce qu'est une société ou ce que sont des sociétés groupées sous une institution. En tout cas, c'est ce que je voulais vous dire par rapport à la colonie, c'est une question qui revient régulièrement. Est-ce qu'on est encore dans une colonie? Est-ce qu'on ne l'est pas? Oui et non. Ça dépend de où on regarde. Ce qui est normal. Hein. Bien, je vois que la salle s'est progressivement vidée, donc on va peut-être conclure ici et maintenant. Il y a un certain nombre de documents qui ont été cités pendant ton exposé. Je pense à Feu nos pères, Amérante et d'autres ouvrages ou films. Je le redis, je l'ai un peu signalé en introduction, mais je le redis là. Il y a évidemment ces documents qui sont disponibles à la médiathèque et qui permettront peut-être à ceux qui ne connaissent pas très bien l'histoire des Japonais en Nouvelle-Calédonie d'en savoir un peu plus. Et puis, il y a une vraie question qui demeure. Quand la conférence d'aujourd'hui sera projetée dans Terre de mémoire d'ici une quinzaine d'années, présentée par Pierre Wellepa, comment la société calédonienne percevra ce qui a été dit aujourd'hui? Nous le verrons bien, ou pas d'ailleurs. Hein. Pour être plus sérieux, la prochaine, non pas conférence, mais projection qui se tiendra en salle Sicilia, ce sera le 11 août. Un beau film australien qui s'appelle Here I Am de Beck Cole. Donc je vous invite vivement à venir nous rejoindre aussi. Merci à vous tous. Merci beaucoup.